L'humour, ah mais non, l'humour n'a pas toujours été l'option numéro un. Il faut savoir que à la base, moi, je voulais être professeur. Oui, transmettre le savoir, tout ça. J'étais chaud pour ça. Avant qu'on commence à m'expliquer les bienfaits de la colonisation, hein. Donc, c'est-à-dire que tu es assis en classe, tu as un mec qui te ressemble plus ou moins, qui t'explique que non, ça a du bon qu'on soit venu t'emmerder chez toi à coups de Bible dans le cul. Ok, aujourd'hui je peux porter des Nike et payer en francs CFA. Mais non, il manque un truc, ça manque un peu de saveur cette histoire. Je pense qu'avec quelques effets spéciaux, on aurait pu mieux faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis un peu redirigé vers la natation. Bizarrement, à chaque fois que je dis ça, les gens sont morts de rire. À cause de ce putain de cliché de merde qui dit que les Noirs ne savent pas nager. Bon. Je ne sais pas d'où cette connerie était l'issue, puisque le nombre de personnes, selon les dires de certains, qui viennent voler le taf des Français en pirogue. Faut quand même avoir quelques bases de, hein, de au moins la nage du chien, d'accord? Au moins la nage du chien. Tu sors de chez toi pour venir prendre le travail d'autrui dans son pays sans papier. Faut avoir quelques notions. Bon, en même temps, j'ai envie de rajouter, si quelqu'un qui ne parle pas ta langue, descendant d'une pirogue, puant l'eau de mer, arrive à te prendre ton travail chez toi. Toi qui parles la langue, qui vit depuis, c'est que t'es une sacrée bite aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, chacun devrait s'asseoir et réfléchir un petit moment. Hein? On va, faut pas non plus tout mélanger. Alors là en ce moment, ce qui fait chier, donc ça c'est sûr que personne ne viendra chez personne, c'est cette histoire de coronavirus. Je veux bien, tu vois, je veux bien. Mais l'histoire où les gens commencent à se plaindre qu'il n'y ait pas de cas en Afrique, les gars, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Hein? Alors, on a eu Ebola qu'on n'a pas partagé, on l'a gardé dans la poche. Vous pouvez vous démerder avec votre truc, d'accord? Je pense que hein, chaque chose en son temps, chaque personne, d'accord? Hein? Donc, voilà. Oh, la semaine prochaine, il se pourrait qu'on aborde des sujets différents. Mais là,